En fait, il s'est voué la bombe, du coup, il va lui tirer dessus. MDR. Oh, MDR. Mais... Oh, libérez-moi, je vous en supplie. La chasse commence. Est-ce que je peux me TP là, genre? Oh oh, look! Look at this, bro! One is main, one is main. Smoke. Dans la tête. No way, Brim. Main one. One main two. Main. There's three in our smoke, guys. Wow, good luck anymore. No, no. Oh, he is. Oh, I'm so good. You're the best player in the world. Oh my god. Voilà, là c'est là, je crois. La porte était déjà cassée, fait chier. Un autre short. Wouh! Let's go! Comme moi, les masques, ça ne dit pas comme ça quand les deux étaient. Faille sur moi. Les toxines s'élèvent. Adieu. Et j'ai Brox. Vision réduite. Je recharge. Oh, je vais dormir, je dormis. Wesh! Wesh, y'a un problème, frère! Non, y'a un problème, wesh! Non, la mer! Non, c'est le manque de sommeil! J'ai jamais raté ça de ma vie, frère! Ouais, c'est sûr, c'est sur nous, pardon, ouais. C'est sur Marianne, pour l'instant, y'en a deux. Oh my god! D'accord. Ouais, mais c'est parce que je lui ai mis une tête, c'est pour ça que t'as qu'à finir. Si, c'est vrai. Non, mais c'est avancé la nuit comme ça! Je l'ai tiré dans le nombril! Je les ai pris deux dos. Non, mais c'est nice. Je vais ouvrir la VOD. Elle est trop. Oh! Lace. Putain, je bégaye. Gage déclenché. Main. Oh, t'es chaud, bâtard. It's my side, man. It's my fucking side, man. Allez, go. Si on gagne la game, je me fais pas report si on gagne la game. Trouver. Les gars, 7-15, est-ce que c'est si catastrophique que ça, honnêtement? Plus qu'un ennemi. Ici. Plus qu'un ennemi. Oui! Oui! Yes! I love you, guys! And I don't love you! Point gagnant. Finissons-en. Convent. There's one there. One then enemy remaining. Let him. Hey. Talk about
Oh, on s'arrête tout pas. On s'arrête, ouais. Last one side, last one side. Back side, lance. He's on side, last one. Oh la la. Bien joué, mec. BAM! C'est ça, t'as les fucking mec, allez! Allez, go, 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 là! Go, ils sont deux, les gars! Oh. Allez, viens! Lave le bomber, je te dash une dessus, toi, viens là! Oh! Derrière vous! Oh la chienne! Oh la chienne! Bâtard, il avait baillé un jeu. Eh, je crois que c'est la meilleure game que j'ai fait depuis que je joue à Valorant, frère. Mandatory! Oh non, je... Oh non! Oh non, les gars, on joue contre European EU team. Attends, mais c'est toi qui as ajouté l'image? Ouais, bien sûr. Mais putain. Non, parce qu'il y avait un marteau de base. Non, il y avait un marteau de base. J'ai dit, il y a pas une chance qu'on ait une grosse queue là à la place. Mais putain, mais what the fuck? Non, mais mec, ça va pas la tête ou quoi? Yo! Back off HP, back off HP. The heck right there! Bro! Dernier joueur en vie. Heaven. Plus que 30 secondes. Merde, putain, je suis con. Heaven, bro. Il y a le spike. Je suis malveillant. Merde, il reste que 10 secondes. Plus que 10 secondes. Merde, elle m'entend revenir. Run. Maman, décisive. On a gagné ou pas? Ah, ça va être dur pour l'Oxnine, honnêtement. Là, il est tout seul, il a un ghost, certes, mais 3 joueurs full life, 2. Enfin, tous, pardon, sur le même BP. Ils ont le. Couverture parfaite du spawn, notamment du côté de Riyad. Et là, ça y est, l'Oxnine qui va réussir à drop. Ça va passer pour l'Oxnine ici sur Monstrum. Est-ce qu'il peut prendre plus que ça? Est-ce qu'il peut amorcer? Est-ce qu'il peut trouver ce second frag? Il est face à deux joueurs. Ils vont jouer ensemble. Hein. Les BLX vont jouer ensemble. Oh, Lex qui fait le doublé. Les BLX vont du coup pouvoir être armés. Allez, Lex au contact justement. Oh. Premier coup d'œil parti. Oh, première tête trouvée. Il continue. Il en trouve un deuxième. Lex qui est déjà en train de leur courir dessus. Il y a encore un joueur au niveau de ce site, c'est oh la Viper de Riyad qui tombe à son tour. L'Oxnine qui est déjà à 10 éliminations en 3 rounds. L'Oxnine qui est en train de méga smurf là directement, Slurpy qui veut décaler, mais les kunai, quadra kill de L'Oxnine, mesdames et messieurs, il est insane. Le Pogo qui part, on a un petit repère, Darklack qui s'est complètement paumé sur le site. Et on perd un nouveau joueur, Lux qui fait un frag. Vekash qui va pouvoir enchaîner, il peut tenir pour du côté Vekash, il en fait un, il en fait deux. Vekash qui fait le boulot, il reste plus que Lux pour le clutch. Lux qui fait le frag. C'est pas terminé pour ce round 1 biné. On a pas pu ramasser toutes les armes côté wild, mais il y a toujours sniper hein, de Sévir. Oh, on accroche la smoke en slow en putacasse. On pourrait surprendre justement. Voilà, Sévir qui se fait complètement balayer. Magic au shérif encore un. La tank qui réussit finalement à l'éliminer. Mais là, le temps commence à jouer en leur défaveur. Ouais, Foxy, il a tendu un piège. Hein, il est en train de s'infiltrer. Nathan que le triplé déjà. Il court sur tout le monde. Nathan que Foxy qui fait le tour. On va pouvoir toucher ce spike. Attention, Wailers qui élimine Hype. Et là, ça devient dangereux. Maintenant, c'est Foxy qui se retrouve en 1v2. On est en train de désamorcer ce spike. La défense est en train d'être faite. Et la tank, le quadruplé. Mais comment ça se fait? Comment on n'a pas réussi à tenir Gentlemates qui passe devant? Qui rôde toujours hein, avec son sniper. On va le voir à la face justement. Au bridge de Nathan qui regarde le piège. Ouais. Il va se faire avoir dans le dos. Il trouve quand même le kill sur ta case. Voilà, Nathan va pouvoir le venger instantanément. La prise d'espace elle est en train d'être faite. Ouh, on a fait choper hein, la tête de Magic qui va essayer de se repositionner. La TP en plein milieu finalement. Il va pouvoir s'en sortir. Nathan qui prélève une fois de plus. Nathan qui fait une fin de game exceptionnelle. 2v3 à venir. Est-ce que Logan peut trouver le kill? Oui, c'est fait sans aucun problème sur Foxy. Maintenant, il est hero. Il est en 1v3. Il doit amorcer le spike. Il est low HP. Il faut trouver que des têtes. Oh, et en plus il est aveuglé. Et en plus de ça il est aveuglé. C'est facile pour Bayaz Overtime. Quel temps
train de se faire. La recon elle semble bonne. Est-ce qu'on pourra punir un joueur dessus? En tout cas, Nate lui se chargera de bras. L'ultimate de Roden il est envoyé. Mais les joueurs 3 ne sont pas encore passés sur le site. Et là, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Roden qui décale, trouvera le kill sans problème sur David P. Vengeance de la part de Rémi. Mais là, on n'est pas passé sur le site. Hein. Ouais, là, il est gênant cet ultimate. On peut pas prendre la ligne pour Nate. Et là, ça pourrait déborder. Est-ce que Marty va réussir à tenir? Non, c'est Nate qui élimine complètement Bawan. Marty sur le site, on a claqué le confinement. Joli. Ça coûte cher. Mais voilà, ça tiendra. Pour Yayax et pour Nate. Le garage, en tout cas maintenant, il est pris pour les joueurs 3D. Yayax, même position. Est-ce qu'il peut retrouver un kill? Oh non, cette fois-ci, la fantôme qui trahit. Il a seulement enlevé 140. C'est horrible, mais qui trouvera justement ce kill? Ouais, Martino qui va protéger son teammate. Et on amorce sur le C1 du côté de 3D Max. Ouais. Oh, Nate qui est très très loin déjà là, dans le dos, si tôt. Ouais, et on est un peu au milieu de nulle part du côté de Bray, il a voulu assumer un duel mais il s'est fait prélever. Attention, il y a une contre-coupe là du côté de David P, c'était attendu du côté de Nate, on le savait. C'est David P qui s'impose, la flash elle est excellente du côté de Killu, Killu le doublé et Orimé aussi également. Il va être propulsé, hein. Il va checker le contact avec Abra, attention. Bon, il va y aller sur une flash hein, au niveau du drone. La flash n'aveugle personne, mais ils sont déjà en contact. Et ça marche pour Bram. Et la double vengeance de Roden, elle est excellente. Orimé, il est au contact. Orimé, accompagné de David P. Ils sont tous là, ils sont en démax. Et ils se font complètement défoncer. Je blague là-dessus. Il reste que Roden, le capitaine, pour espérer sauver son équipe. Mais là, là, Ita, la mission, elle va être délicate. Oh, 1v3. Et voilà, Jouzeo qui perd la vie. B2K qui se retrouve en situation de 1v3. Il décide d'investir son ulti et sa molo. Ça lui permet de gagner du temps. Mais Akuma qui est déjà là derrière. Attention à pas glisser. Akuma qui gère, hein. Ouais, Akuma qui gère le round tranquillement. Oh, attends. Attention. Oh, attends là. Pourquoi j'ai signé pour ça déjà? Il l'a, il l'a. Oh, oh la ouais, glissade. Il l'a. Oh, ça a failli glisser là. Du côté des Mandatory. On prend double kill du côté de B2K avec sa molly.